Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé de vous voir après le cours. Je me souviens t'avoir dit de venir me voir seule. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est mon amie et elle m'a juste accompagnée. Veuillez m'excuser, monsieur. Nena, on se voit après. Je te rejoins. Okay. Tu es toujours en compagnie de cette fille. J'espère que vous n'êtes pas lesbienne. Monsieur, sans effet. Monsieur, pourquoi pensez-vous de la sorte? Elle est juste une amie, la seule que j'ai dans cette université. D'ailleurs, nous sommes toutes chrétiennes. Je t'ai entendu. Dans ce cas, tu me verras cette soirée dans mon bureau. Disons autour de 18h. Et ce temps-ci, sois sûr que tu viennes toute seule. Oui, monsieur. Nena, il a dit quoi? Il m'a juste demandé de le voir après, vers 18h. Mais que je sois seule. Oh. Nena, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? Je pense à ma mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suis sûre qu'elle aussi, elle est en train de penser à son futur docteur comme tu le fais. Ah, mais tu m'avais dit qu'elle aussi voulait devenir docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Elle n'aime pas du tout en parler. Je pense que c'est lié à une histoire très dramatique. Je pense. Ma chère, tu ne vas pas être en retard? Il faut que tu te prépares pour ton rendez-vous avec le professeur Lucas, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, tu as raison. Mais je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que ce monsieur vient me dire? Alors ça, on le saura. Ok. Reviens avant que je ne prenne ma deuxième douche. Pas de problème. Je veux pas rester longtemps seule. Sinon, je t'enferme et t'entre plus. Emily, tu fais cela sous ce chaud soleil. Tu ne pouvais même pas me répondre. Hein? Et quoi? Obim. Oh, Manicha. Aïe, mon amour. Pourquoi es-tu ici faisant cela sous ce soleil? Hein? Pourquoi ne pas m'appeler de venir t'aider à fendre le bois du chauffage? Et tu sais que je suis dans ce village pour toi. Hein? Même si tu as refusé de faire du tango avec moi. Faire quoi? Écoute, Uzoma, laisse-moi. Je n'ai pas d'énergie pour toi aujourd'hui. Je ne veux pas être avec toi. Laisse-moi, je n'ai pas besoin de ton aide. Oh oui, tu en as besoin. Ceci est un travail d'homme. Hein? Laisse-moi te montrer comment faire ça. Donne-moi l'âge. Allez, laisse, laisse. Uzoma, je te préviens, oh. Je n'ai rien à te payer en retour, oh. Je te préviens. Ça va. Au moins, c'est très simple, non? La seule chose que j'ai besoin en partenariat, hein, c'est ma Maya. Avec toi. S'il te plaît, Uzoma, laisse-moi. Laisse-moi couper mes bois moi-même. Toi, tu penses que si j'avais un peu de braise, j'allais me donner cette peine? Ok. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te montrer comment ça se fait. Hein? Mais, je dois manger ce que tu vas préparer quand tu finis. Oui. Ah, tu quittes. Ok, laisse-moi te montrer. Regarde-moi.
Tu quittes même. Hey. 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 Ah. Emilio. Hey. N'importe quoi pour l'amour. J'ai épuisé toutes les options qui se sont offertes à moi. Et je suis fatiguée. J'en ai plus que marre de cette situation. Je ne sais plus quoi faire d'autre. Tous ces docteurs que tu as déjà rencontrés, ils ont dit que ton système n'a pas de problème. Alors les problèmes, je crois que c'est ton mari. Ma chère, nous avons vu les meilleurs gynécologues des hôpitaux réputés. Ils nous ont soumis à une série de tests. Et ils nous ont rassurés que nous allions bien. Et c'est ça qui me rend confuse. Cindy, mon ami, ta situation est vraiment compliquée. Et tu l'as gardée toutes ces années, ma chère. Ne penses-tu pas que ça peut être une attaque spirituelle? Une attaque spirituelle? Oui! Que veux-tu dire? Ok, n'essaies-tu pas que tout ce qui nous arrive dans le physique commence d'abord par le spirituel? Tu ne le sais pas? Ma chère, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus quoi faire. Je deviens désespérée. Pamela, regarde, non, regarde. Toutefois, j'ai un prophète que je connais. Ah oui? Oui, je vais t'emmener là-bas. Et je crois qu'il va vraiment t'aider. Hey, amen. Pardon, peu importe ce que c'est. Je suis partante. Ne t'inquiète pas. T'inquiète, hein? T'inquiète, je t'emmènerai là-bas demain. Pamela, aide-moi vraiment. Ça va aller. Une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas l'esprit en paix. Oui, je sais. 17 années, même toi, c'est trop. Ça ira. On ira là-bas demain. Je crois que tout ira bien. Amen. Je ne vous comprends pas, monsieur. Que voulez-vous dire par que je sois votre bête? S'il te plaît, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoute, ne fais pas semblant d'être naïve, parce que je sais que tu es très intelligente. Mais je ne l'ai jamais entendu de quelqu'un, monsieur. Et alors, comment saurais-je si vous ne me le dites pas? D'accord. Laisse-moi t'expliquer certains bénéfices qui découleront d'être mon animal de compagnie dans cette institution. Premièrement, tu seras sous ma protection directe, ce qui veut dire que personne ne t'arrachera jamais dans cette université. Et tu auras aussi la chance de réussir dans toutes tes matières aisément. Ça, c'est un peu intéressant. Qu'est-ce que vous allez gagner de moi en étant votre bête? Ah, ça, c'est une question détaillée et très intelligente. Viens, viens t'asseoir sur mes jambes et je te l'expliquerai mieux. Elle m'arrête de rire, non? Alors dis-moi, pourquoi tu ris? Dis-moi un peu, raconte. Okay. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors tu t'es assise sur ses genoux et puis qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout dans les détails. Ai-je dit que je me suis assise sur son cuisse? Tu l'as pas fait? Bien. Il m'avait demandé de s'asseoir sur son cuisse. Je ne pouvais pas le faire, non? Et il m'avait demandé de sortir de son bureau. Je me demande ce que cet homme veut de moi. Je vais te dire, ce type, tout ce qu'il veut, c'est de coucher avec toi. Oh. Avec moi? Oui. Alors il est fou, parce que je suis la mauvaise personne de son choix. Nena, le prof Lucas, c'est le doyen de la faculté, hein? Et si tu repousses ses avances, il pourrait faire de ta vie un enfer sur ce campus. Je suis ici pour un seul objectif. Faire mes études de médecine, finir et faire la fierté de ma mère. Et non être un objet sexuel de... Professeur Lucas. Pourquoi est-ce que je me sens fortement attaché à cette fille? Pourquoi m'est-il difficile de l'enlever de ma pensée? Aucune fille n'a jamais refusé ma proposition comme elle l'a fait cette nuit. Mais plus je pense à elle, plus je la veux. Je dois trouver un moyen pour l'avoir. Ceci est très mauvais. Je
fille Jane, ceci est très mauvais. Mais il peut être amélioré. Oui. Et il deviendra bon. Oui. Ok. Ah, monsieur, qu'est-ce que ça va me coûter? Ah. Je suis prête pour tout. Ah, tu vois, j'aborde ces problèmes dans une perspective différente maintenant. Viens voir dans la chambre dont le numéro, le nom de l'hôtel se trouve sur ce papier cette nuit et on trouvera un consensus pour régler ceci une fois pour toutes. Hmm? Mais, monsieur, surpris de mon corps. Ça, c'est le moyen préféré, jeune fille. C'est le moyen le meilleur d'ailleurs. Hmm? Nemeka. Non. Emily, bonjour. Bonjour. Tu es venue tous les matins comme ça, il y a un problème? Je te dis, Emily, j'ai un problème. Ça concerne mon mari. C'est quoi le problème? Il a des douleurs dans le dos et maintenant, ça touche sa hanche. Sa hanche? Oui. Est-ce que tu peux m'aider, non? Dis-moi qu'est-ce qu'il peut prendre. Mais le mieux pour lui serait d'aller à l'hôpital pour trouver les diagnostics et avoir un bon traitement. Non, Emily. Les hôpitaux en ville sont beaucoup trop loin. Tu vois, non? Tu t'y connais bien dans ces histoires. Tu peux nous dire quel médicament il peut prendre, non? Pour qu'il aille bien. Mais Ned, tu sais que je ne suis pas un docteur qualifié. Je connais juste quelques traitements. Ok. Bien, comme tel est le cas, je suis en train d'aller au marché. Je passerai à la pharmacie et je vais acheter quelques médicaments. Et je lui amènerai, ça va réduire les douleurs. Merci, ma soeur Emily, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, de rien, ma. Juste, laisse-moi aller au marché. Je salue papa et Meka et les enfants de ma part. Je le ferai. J'espère que tu as des nouvelles de Nen, hein? Oh, bien. Elle prépare ses examens. Mais d'ici là, elle va rentrer pour les vacances. Nous prions pour elle. Nous prions pour elle et bientôt, elle terminera ses études et reviendra ici pour devenir notre docteur. Amen. Plus besoin d'aller encore en ville. Amen. Elle a encore un long parcours, mais vous savez, la médecine, c'est pas facile. Je sais, mais Dieu l'accompagnera. Amen. Nous prions, Dieu va. Amen. Demoiselle Jane. Mademoiselle Jane, tu vas te lever pour partir. Il fait nuit. Oh, vous partez? Il est presque 22h et je dois partir à la maison. Oh, ok, bye. Tu me dis au revoir? Tu me dis au revoir? Vas-tu dormir ici? Je reste. Oh, c'est ça? Moi, je ne peux pas rester, je dois partir à la maison. Alors, on se voit demain, d'accord? Ok. Bye. D'accord. Cindy, où est-ce que tu es partie très tôt le matin, sans me le dire? Je suis désolée, j'étais juste dans la rue voir Pamela. Elle ne se sent pas très bien, en plus son mari a voyagé. Bien seulement que quand je me suis réveillée, je ne t'avais pas vu, j'étais inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec Pamela? Bon, elle faisait un peu de fièvre, mais ça va mieux. Et je ne voulais pas te réveiller parce que tu t'endors plus tard. Chérie? Oui. Dis à Pamela de passer à l'hôpital. Un peu de fièvre est aussi dangereuse que toute fièvre. Ok, très bien. Dans ce cas, je vais l'emmener. D'accord. Je vais au travail. D'accord, très bien. Passe une bonne journée. D'accord. Okay.
Fais attention à toi. Nina, c'est ici que tu étais? Je t'ai beaucoup cherché, je pensais que tu étais en cours d'anatomie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais quoi? C'est quoi ça? Ah non, 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 non. Je savais que le prof Lucas allait faire une chose pareille. Je te connais, je savais que ce prof allait faire une telle chose. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est vraiment mauvais. Ce monsieur est juste très méchant. Je suis sûre qu'il a fait ça juste pour m'avoir. Ah, je vous jure, ce type, il est vraiment mauvais. Et il se sert de la pire forme d'harcèlement sur cette université. Vraiment, c'est la pire, je vous jure. Mon souhait est qu'un de ces quatre puisse l'accuser. Sincèrement, qu'on puisse toutes l'accuser. Mais cet homme, il est comme l'alpha et le méga de toute cette université. C'est comme si cette université est dans la paume de sa main. Oh. Il peut être puissant dans cette université. Mais il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de justification sur ce qu'il m'a fait. Ce monsieur est méchant. Je jure, je prie que Dieu le punisse. Nena, amen. Dieu punira cet homme-là, je te jure. Mais avant que Dieu ne le punisse, Nena, je te suggère d'aller dans son bureau... Le supplier, un truc du genre. Le supplier? Bah oui. Pourquoi? Tu parles comme si tu ne sais pas ce que tu veux. Nena, je sais. Mais as-tu une autre option maintenant? Regarde ça là, c'est grave. Je veux dire, faut pas que tu aies ce genre de problème déjà à ta première année. Nous devrions aller le rencontrer. Et je ne sais pas, le supplier de sorte qu'il puisse... Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Nena, pourquoi viens-tu toujours avec cette fille quand tu veux venir me voir? Je ne suis pas intéressé par le ménage à trois. Je suis désolé, monsieur. Mais le problème est que j'avais reçu la notification des points l'autre fois. Ah oui, bien sûr. Il a été retenu parce qu'il y a quelques soupçons que tu as été impliqué dans la tricherie. Moi? Monsieur, je crois qu'il y a eu une erreur. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Alors, tu n'as rien à craindre. Écoute, il y a une équipe qui mène des enquêtes sur le problème. Et si après les enquêtes, tu as été trouvé non coupable, alors là, je suis sûr que... ton résultat sera libéré. Monsieur, s'il vous plaît, je connais Nena très bien. Il est impossible qu'elle soit mêlée à de telles pratiques. Elle n'est pas ce genre de personne. Quel est ton nom? Thelma. Thelma Okoum. Et ton résultat a été aussi retenu? Non, non, non. Alors sors de mon bureau avant que tu ne fasses face au plat. Et toi, assieds-toi. Cet homme est un fou. Pour qui est-ce qu'il se prend? Si même je connaissais quelqu'un d'influent pour qu'il puisse me régler son compte. Parce qu'il essaie par tous les moyens d'intimider Nena. Monsieur, monsieur, je vous supplie. Je ne vais pas du tout tricher. Je ne peux même pas du tout y penser. Si j'avais le maximum de points comme vous le dites, c'est parce que je m'étais bien préparée pour ça. J'avais bien lu ses cours. Je ne suis pas ému par ta plaidoirie. Pardon, monsieur. Je vous supplie au nom de Dieu. Tu n'as pas à me supplier? Laisse l'équipe d'enquête faire son travail. Si tu es vraiment sûr de toi-même, ce que je doute. Ok. Laissez-moi alors vous prouver. Je veux repasser ce test. Tu es trop têtu. Tu es trop têtu et je ne tolère pas les étudiants têtus. Tu sais ce que tu dois faire, mais... Nena, écoute-moi bien. Si l'équipe-là te trouve coupable, tu seras renvoyé de cette université. Monsieur, je vous supplie, ne le permettez pas de me faire ça. C'est le souhait de ma mère que je devienne un docteur en médecine.
et je dois accomplir son vœu. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle s'est beaucoup sacrifiée. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. Alors, fais ce que je te demande de faire. Et tu n'auras aucun problème à actualiser ce souhait. Nena, que s'est-il passé? Il a dit quoi? Rien ne s'est fait. Tu veux dire quoi par rien? Donc il t'a dit que pour le moment il ne peut rien faire? Ben, il m'a juste dit de revenir après. Ah, je le savais, je le savais. Je savais bien que ce type était à la base de tout ceci, je le savais. Il ne peut pas continuer à t'embêter comme ça. Il ne peut pas, oh. Il faut qu'on fasse quelque chose, Nina. Il faut qu'on fasse quelque chose de drastique à ce propos. Comme quoi? Nina, je ne sais pas pour l'instant, mais je sais qu'il faut qu'on agisse. Tu comprends? Il faut qu'on fasse quelque chose concernant ce type. Hein? Il y a une femme derrière tout ce qui vous arrive. Elle est impliquée avec votre mari. Son esprit est fort. Une femme? Oui. Et qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Allez et revenez avec votre mari. Vieux sage, ça ne sera pas possible. Il ne croit pas en ce genre de choses. Il ne devrait même pas savoir que je suis venue ici. Grand prêtre, s'il vous plaît, il n'y a pas un autre moyen? Madi Matete, Gramedia, Gadogo Bisbilai. Il y a un autre moyen, mais à condition que tu sois en mesure de le faire. Oh, je le ferai. Pour tout ce qui peut m'aider à concevoir, qu'importe le montant. Mes ancêtres ont déjà commencé à travailler. Alors, pour que tout se passe avec facilité, partez et revenez. Pour un bain spirituel à la rivière. Un bain spirituel à la rivière? Et quelle en est l'importance? On doit enlever les sorts d'infertilité qui vous a été jeté par cette femme à travers ce qu'il a fait avec votre mari. Oh. Ok, je reviendrai pour ce bain. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Je cherche professeur Lucas. Professeur Lucas? Dans la chambre 21. Très bien, un instant. Allô, monsieur? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, il y a une demoiselle, votre nom? Une Nena qui est venue vous voir. Ok, merci. Il vous attend déjà. Prenez l'escalier. Merci. Qui est là? Monsieur, c'est moi. Assieds-toi. Bonsoir, monsieur. Oui, oui. J'espère que tu n'as rien dit ou n'es pas venue ici avec ton amie curieuse là? Non, monsieur. Je suis venue seule. Oh, ça c'est bien. C'est maintenant que tu te comportes comme une fille intelligente. Et c'est pourquoi tu me plais. Est-ce qu'on peut faire ce pourquoi nous sommes ici? Parce que je dois rentrer un peu plus tôt à la maison. Pourquoi tu te presses? C'est le week-end et j'espérais qu'on allait passer la nuit ensemble. Passer la nuit? Bien sûr. Non, mais... ce n'était pas prévu de faire ça. D'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire à Thelma? Pourquoi es-tu inquiète à cause de Thelma? Dis-moi, va-t-elle te battre? Est-elle ta mère? Chérie, s'il te plaît, ne permets pas à la pensée de Thelma de gâcher le plaisir que nous sommes ici pour avoir. J'ai juste peur. Je ne l'ai jamais fait auparavant.
Oh, ma chérie, es-tu vierge? Ma chérie, il n'y a rien à craindre. Aie confiance en moi. Je sais ce qu'il faut faire pour que tu ne sentes aucune douleur, d'accord? Attends, j'arrive. Attends, attends un peu. Merci. Oui. Maintenant, allons. À ta santé. C'est ça. Ça, c'est mon bébé. Nena. Nena, quitte de ce lieu. Nena. 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 Dans ce monde, que rien de mal n'arrive à ma fille. Père, père. Réveille-toi, bébé qui dort. Il est l'heure de rentrer. Nana, réveille-toi, il est l'heure de rentrer. Nana. Lève-toi, lève-toi. Oui, réveille-toi, réveille-toi. L'heure d'aller à la maison. Qu'est-ce que je fais ici? Et où suis-je? Tu es dans la chambre de mon hôtel. Comment j'ai pu passer nuit ici? Bien, je ne savais pas que tu n'allais pas te souvenir des merveilleuses choses qui se sont passées entre toi et moi pendant la nuit. Attends, m'as-tu drogué? Oui, c'était un simple somnifère pour te faire détendre et au même moment éviter que tu sentes la douleur de la rupture de ton hymen. Non, 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 s'il te plaît, ne pleure pas, tu sais. On a passé une nuit très merveilleuse. Allô? Salut. Ouais, je vais bien. Est-ce que tu as vu Nina? Depuis la nuit dernière, elle a disparu. Je ne l'ai pas encore revue. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Ah, elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit où elle est allée cette fois-ci. D'habitude, elle le fait, mais cette fois-ci, elle l'a pas fait. Ok, tu peux m'aider à rester vigilant ou si tu entends quelque chose. Essaie de m'appeler. Très bien, merci. Allô, maman? Bonjour, maman. Mon nom est Thelma Okoli. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes bien la maman de Nina? Oui, maman, elle est ma colocataire ici au campus. Ah oui, maman, oui, tout va bien, maman. Ah, maman, j'appelais juste pour savoir. Maman, ah oui, j'appelais juste pour savoir comment vous allez. Nena m'a dit tellement de belles choses sur vous. Ah oui, maman, moi aussi j'espère bientôt vous rencontrer. Oui, maman, merci, maman. Amen, maman. Amen. Très bien, au revoir, maman. J'espère que tout va bien avec Nina. Déjà les rêves d'hier par rapport à elle me fait peur. Et sa camarade de chambre juste m'appelle et ne sait quoi dire.
Il y a quelque chose qui ne va pas. Il serait mieux que j'appelle Nina moi-même et savoir ce qu'il y a. Je t'ai appelé durant toute la nuit. C'est à ma mère que tu parlais. Et j'étais censée appeler qui? Pourquoi l'as-tu appelée? Elle va s'inquiéter. Je connais bien ma mère. Mais Nina, où es-tu passée la nuit dernière? J'ai essayé et réessayé de t'appeler durant toute la nuit, mais ton téléphone était éteint. J'étais presque terrifiée. Tu étais partie où? Mon téléphone était éteint. Oh! Je ne l'avais même pas réalisé. Tu ne savais pas qu'il était éteint? Qui pouvait l'éteindre à part toi? Ma chère, je ne sais pas. Nina, tu agis bizarrement. Moi? Je te fais savoir ce que je pense. Thelma, j'ai... Ma mère... Allô, maman? Bonjour, maman. Oui, je vais très bien. Et comment tu vas? Oh! Oui. Nous allons bien. Oui, j'étais ici lorsqu'elle appelait. Elle est vraiment une bonne fille. C'est la seule que j'ai ici. Elle est plus qu'une sœur. Est-ce que tu peux me dire où tu as passé la nuit dernière? Et avec qui? Est-ce la nouvelle manière d'accueillir ton mari? Tu as failli me tuer d'inquiétude. Et le pire dans ça, ton téléphone était éteint. Je suis désolé pour ça. Écoute, il y avait une urgence. Et on m'a appelé de venir aider les docteurs étudiants. Professeur Lucas, tu n'aurais pas pu trouver mieux à dire? Tes rançons me rendent dingue. J'ai appelé aux cliniques universitaires et tu n'étais nulle part là-bas. Mais tu peux trouver mieux à dire? Je viens de te dire que c'était une urgence. Je veux dire, c'était pas tout le monde qui savait que j'étais là. D'ailleurs, pourquoi m'expliquer? Laisse-moi passer. Ah. Docteur Lucas, continue avec tes mensonges. Tu recevras le salaire qui va avec. Continue avec tes mensonges. Continue! Alors, mon adorable Nina, comment tu te sens aujourd'hui? Pas très bien, monsieur. Quel est le problème? Quelqu'un te dérange? Personne ne me dérange. Le problème est que je ne me sens pas bien depuis la nuit que je passais avec vous. Oh, je te comprends. Je sais comment tu te sens. Tu le veux encore? Non. Pas ça. Je sens ce genre de réaction par rapport au produit que vous m'aviez donné. J'ai des maux de tête constants et j'ai des sensations dans... Non. T'inquiète pas, je comprends. C'est normal, étant donné que c'est ta première fois. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire sentir mieux maintenant. Monsieur, ça c'est votre bureau. Est-ce que quelqu'un entrait ici? Mais je n'entends personne. D'accord. Pour te mettre à l'aise, je vais aller fermer la porte. D'accord? Honnêtement, Pamela, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, il n'y a aucun changement. Même après ce bain spirituel que ton prophète là, il m'a suggéré. Ma chérie, tu dois être patiente. Ces choses prennent du temps. Eh bien ça peut trop durer. Il n'y a rien qui a changé, Pamela, tu ne comprends pas. Je dirais même que les choses sont mal au pire. Peut-être qu'on doit encore aller voir le prophète. Tu sais qu'il avait dit que l'esprit de cette femme est toujours autour de toi. Et il est très fort. Mais c'est pour ça que j'ai accepté ce bain spirituel. Pamela, ce n'est pas pour ça que j'ai accepté que ce vieil homme puisse me baigner. Peut-être qu'il y a encore des choses que l'esprit ne lui a pas encore révélées. Et comme quoi? Comme quoi? Écoute, je suis fatiguée.
Je suis fatiguée. Peut-être que je dois me trouver une autre alternative. Laisse-moi me trouver aussi un autre homme. J'en ai marre de cette absurdité, j'en ai marre. Non. Cindy, tu ne peux pas te fatiguer. Pas maintenant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas quitter après 17 ans de mariage, juste comme ça. 17 années d'infertilité. 17 longues années sans aucun enfant. Et de l'autre côté, il y a mon mari qui court derrière tous ceux qui portent une jupe. C'est fait avec tant d'impunité, tant d'insouciance. Et il se fiche pas mal de ce que moi je ressens. J'en ai marre. Honnêtement, je suis fatiguée. T'inquiète, on doit encore aller voir le prophète. Il doit y avoir une solution pour ça. Écoute, c'est bon, calme-toi. Le meilleur des prophètes, mon œil. Émile, Émile. Merci, hein? Tu vois, c'est pourquoi je t'aime tellement. Non, je ne veux pas que tu sois amoureux de moi. Hmm? Je t'ai donné la nourriture parce que je ne veux pas que tu graves de faim ici. Oh? Laisse-moi, regarde. Laisse-moi te l'expliquer. Tu ne comprends pas. Ça, c'est l'amour. Tu vois, tu ne comprends pas. Regarde, tu sais que je viendrai. C'est pourquoi tu as préparé beaucoup de nourriture, afin que je puisse manger quand j'arrive. Hein? Regarde, ne te laisse pas tromper par ton imagination. Cette nourriture était pour Nena. C'est juste qu'elle n'est plus revenue de l'université comme c'était prévu, c'est comme ça que je t'ai donné. Est-ce que ça importe? Écoute, peu importe pour qui la nourriture a été préparée. Hmm? Ce qui compte, c'est qui finit par manger la nourriture. Hein? Déjà, de son goût, cela montre qu'elle a été préparée avec un grand amour. Ferme ta bouche, Zoma. Tu es juste impossible. Fais vite finir et puis va chez toi. Oh. Par cette voie ou par celle-ci. Ne t'inquiète pas. J'espère qu'un jour, tu commenceras par voir les choses dans le même angle que je les vois aujourd'hui. Le blanc dit, le chien patient mange le plus gros os. C'est mon cas. Tu devrais venir ici t'asseoir et frotter mon dos afin que cette nourriture fasse un bon voyage. Hein? Emily? Aïe! Oh, monsieur le professeur, j'en vais maintenant. Donne-le-moi. Qu'est-ce qui t'a prise? Maîtrise-toi, c'est le bureau ici. Mais va fermer la porte comme d'habitude. Non, pas maintenant, je suis occupé, je suis très occupé. On ira à l'hôtel après, d'accord? Mais monsieur, arrêtez de perdre le temps. Non. Je dis que j'en veux maintenant. Attends, c'est le bureau ici, on ira à l'hôtel après. Non monsieur, je ne saurais pas, s'il vous plaît, j'en vais maintenant. Qu'est-ce qui t'a prise? La porte est ouverte, mais Nena. Mais fermez la porte comme d'habitude. Maîtrise-toi. Moi j'en vais maintenant. Non, c'est le bureau ici, Nena. Écoute. On ira à l'hôtel et tu feras ce que tu veux. D'accord? Non, attends, on ne peut pas faire ça ici. Je vous avais dit, l'esprit de cette femme est fort. Il n'y a rien que tu puisses faire pour l'arrêter. Pardon, grand prêtre. Cet esprit est plus que le vôtre. Faites quelque chose pour mon ami. Laissez-nous. Je vais lui parler seul. Ok. Ne va pas trop loin, s'il te plaît. Bien. Vous allez être en mesure de concevoir et donner autant d'enfants que vous voudrez à votre mari. Amen. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ça va vous coûter trop cher. N'importe quel montant. L'argent n'a jamais été un problème. Dites-moi le prix et je le paye. L'argent n'est pas le seul moyen de récompenser les esprits. Il s'agit du sang. Nena. Nena. Réveille-toi. Tu ne vas pas aller au cours? Je ne te retirerai pas aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ça va? D'ailleurs, tu n'as même pas si bonne mine. Est-ce que ça va? Tellement je vais bien.
Je suis juste fatiguée. T'en es sûre? Bon, Nina, moi j'y vais. Viens fermer la porte. Viens fermer la porte. Ok, je vais fermer. Que veux-tu que je fasse pour toi, jeune fille? Monsieur, je suis venu juste réclamer pour le code que vous m'avez donné. Et qu'y a-t-il encore? Monsieur, vous avez promis d'augmenter mes codes, mais les codes que vous m'avez donnés, écoute-moi bien, jeune fille. Tu avais lamentablement échoué dans toutes les matières. Monsieur. Oui? Tu devrais être reconnaissante que je t'ai donné la note moyenne dans toutes tes matières. Oui. Et puis, deuxièmement, ta performance la nuit de notre rencontre dans l'hôtel n'a pas été du tout encourageante pour t'assister plus dans cette situation. Tu étais seulement couché sur le lit pour me placer comme paresseux et m'a laissé faire le travail tout seul. Et maintenant, tu veux que je te donne une excellence? Monsieur. Sors! Dehors! Nena, tu manges encore? Tu as un gros appétit ces jours-ci, hein? Tu manges beaucoup ces temps-ci. Tu sais que j'aime bien ces plats. C'est ce que je préfère beaucoup plus. Alors... T'es en train de manger comme une femme enceinte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout. Rien. J'ai rien dit. Il y a encore assez de la nourriture dans la marmite? Ah oui, il y a à manger. Tu peux encore aller te resservir. Tu peux terminer ma part. T'inquiète, j'arrive. S'il te plaît, ma chérie, prends ceci. Prends ceci. Ça t'aidera à te sentir mieux. Professeur, pourquoi je ne supporte pas ce médicament? Ça me dérange. Non, s'il te plaît, je ne savais pas que ça allait agir sur toi comme ceci. Prends-le. Bois-le. C'est bien. Ça t'aidera à te sentir mieux immédiatement. Professeur, je crois que je suis enceinte. Tu es quoi? Je suis enceinte et vous en êtes le responsable. Mon ami, je crois que tu dois faire ce que le prophète t'a dit. C'est pour ton intérêt. Pamela, comment peux-tu me conseiller de coucher avec cet homme pendant 3 nuits entières? Il n'est pas un homme comme tous les autres. Il est un prophète, un homme de Dieu, un homme saint. Quelle sorte de prophète peut aller coucher avec la femme d'autrui? Hein? Cindy. Ha! Il ne fait qu'obéir à l'esprit. Il ne fait que les instructions de l'esprit. Et si coucher avec lui pendant 3 jours va régler ton problème spirituel, pourquoi ne pas le faire si tranquillement, ma chérie? Vas-y, fais-le! De quoi est-ce que tu parles? Pamela, je n'ai jamais trompé mon mari. D'ailleurs, le seul homme avec qui j'ai couché jusqu'ici, c'est Lucas. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ça sera possible de le tromper? Tu ne vas pas du tout le tromper. Tu es juste en train de trouver une solution sur un problème qu'il a causé. D'ailleurs, de quoi parlons-nous ici? N'est-ce pas que c'est lui qui te trompe? Oui. Mais j'espère qu'avec ça, il y aura une solution. J'espère qu'il y aura vraiment des résultats. Honnêtement, parce que le bain spirituel, il n'a rien rapporté.
J'espère que cette pratique va apporter des résultats. Calme-toi. Tu n'as rien à t'inquiéter. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir la foi pour que ces choses marchent. Arrête de douter. Arrête, s'il te plaît. Attends. Tu parles comme si tu as déjà pratiqué ça, n'est-ce pas? Amila! Quoi? Attends. Tu as couché avec cet homme? Je n'ai fait que ce que je devais faire. Je ne crois pas ceci, Nena. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu l'as fait toi-même, n'est-ce pas ça? Mais tu es une étudiante en médecine. Ne peux-tu pas prévenir une simple grossesse? Et tu es un médecin professeur. Tu devais savoir que coucher avec une fille sans préservatif pouvait avoir des conséquences. Écoute, ne disputons-nous pas maintenant, d'accord? Mais plutôt, pensons à une solution rapide. Ok, mais je ne peux jamais faire l'avortement. Parce que ma mère m'a interdit à propos. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Qu'as-tu à l'idée? Je ne sais pas, je dois y réfléchir. Il n'est absolument plus question de réfléchir ici. Nena, je suis vraiment déçue de toi. Je t'ai observé ces temps-ci, je t'ai étudié, j'ai remarqué qu'il y avait un ça ne va pas, j'ignorais que c'était aussi sérieux que ça. Tellement je suis désolée. C'était une erreur. Je ne savais pas que ça pouvait me tourner mal. Mais tu pensais à quoi? Quand vous aviez des rapports sexuels non protégés, tu pensais quoi? Qu'il arriverait quoi? Et même qui est le responsable de cette grossesse? C'est qui le père? Est-ce que je le connais? Qui est-ce? Mais... Parle, qui est-ce? Professeur Lucas. Professeur Lucas? Notre doyen, le professeur Lucas. Tu dois être en train de plaisanter en ce moment. Mais est-ce qu'il t'a hypnotisé? Je ne sais pas. Hey, je ne sais pas comment tout ceci m'est arrivé. Ça s'est vraiment fait rapidement. Oui, j'étais d'accord de coucher avec lui pour la première fois. Juste pour que je retrouve mes points. Et... il avait continué. Oh Seigneur, non. Oh Nena, comment t'as pu être aussi facile? Comment t'as pu t'abandonner aussi facilement dans les mains de ce type? Tu sais que c'est une bête. Je sais que c'est une bête. Comment t'as pu? Mais vraiment, comment? Je ne voulais pas juste reprendre l'année. C'est un peu ça. T'as pas pensé que même reprendre aurait été mieux? Plutôt que de laisser... Je n'ai vu aucune raison. Aucune raison convaincante pour laquelle tu sortirais de ta maison pour 3 jours juste pour aller prier. Tu ne peux pas savoir la raison parce que c'est de ta faute. Eh bien, je me suis résolue à prendre ma destinée entre mes mains. Madame Wakwe, je suis certain que tu es la cause de son comportement si irrationnel. Prof, ta femme est une adulte. Elle a pris sa décision d'aller à la retraite pour 3 jours pour être concentrée dans la prière. Prière pour quoi? Dites-moi. Prière pour quoi? Quel problème urgent a-t-elle? Ce qui l'amènerait à abandonner son foyer conjugal pour 3 jours juste pour aller prier. Lucas, si notre manque d'enfants n'a aucun effet sur toi, eh bien ça a déjà commencé à laisser des stigmates sur moi.
et je dois agir à ce propos, que tu le veuilles ou pas. Pamela. D'accord, d'accord. Allez chercher ce qui n'est pas perdu. Mais attendez, si cette fille Nena est réellement enceinte pour moi, donc il n'y a du tout rien à s'inquiéter. Cela sera la preuve que le problème vient vraiment de Cindy. Ah. Je m'en pars de ma maison. T'inquiète pas. Je m'en pars, je ne veux pas. Pars de ma maison. Je m'en laisse ma maison. Je quitte déjà. Ah, ah, pars. Mais bientôt, tu vas m'inviter. Quand tu seras allumé. Eh, vas-y, qu'on t'achète le vin là où tu vas. Ne t'inquiète pas. Dieu qui l'a créé, l'a fait pour un but. De n'importe quoi. C'est comme parce que je me donne cadeau à toi. Bêtise. Ah, ce n'est pas notre jeune docteur. Hey, les gens de Luma, venez voir. Notre docteur est de retour. Mais Ozoma, baissez votre voix. Hein? Bonjour à vous. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis ici. Alors baissez votre voix. C'est parce que je ne fais que crier. Écoute, je devrais sonner de la trompette. Ah, ah, c'est une joie pour les gens de te voir. Maman, Nana, ma fille, je suis contente de te voir. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais en train de venir, non? Je ne voulais pas venir aujourd'hui, mais parce que tu m'as beaucoup manqué, je suis venue pour te voir, maman. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Mais j'espère que tout va bien au campus et qu'il n'y a pas de problème. Je suis venue passer mon week-end avec toi, ma maman. Je suis contente. Allons dans la maison. Okay. Oui, allons à l'intérieur. Où vas-tu? À l'intérieur. Tu ne sais plus rentrer chez toi. Hein? Ozoma, si tu ne pars pas d'ici, je vais jeter de l'eau du bon doux sur toi. Et son odeur ne te quittera pas pendant une semaine. Assez mêlé. Je ne vais pas à l'intérieur à cause de toi. Je vais à l'intérieur à cause de notre docteur qui est debout ici. Pas de problème. Cette canne que j'ai utilisée la fois passée, il y en a encore plein là-bas. Ne te gêne pas. Je ne vais même pas l'attendre. Je quitte. Je suis au courant. Je sais ce que tu veux prendre. Je m'en vais. Liboma. Merci. Je suis surprise. Malgré le stress des études médicales, tu as toujours l'air en forme. C'était la volonté des dieux, maman, je crois. Oui, c'est ça, ma chérie. Et je lui dis merci. Ce que j'étais incapable d'accomplir. Toi, tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Amen. T'inquiète, maman. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Attends, je te donne ce que j'ai apporté pour toi. Excuse-moi, jeune fille. Excuse-moi, excuse-moi. Que puis-je pour vous? Ton amie, je ne l'ai pas vue depuis hier. J'espère qu'elle va bien. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue non plus. Excuse-moi, mais elle est ta meilleure amie et vous êtes toujours ensemble. Oh, merci à vous, mais tout cela a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, prof Lucas, je ne sais pas où elle se trouve maintenant. Et puis c'est vous qui devriez savoir où elle se trouve, la condition dans laquelle vous l'avez mise. Ne me dérangez pas. Je vais rentrer demain. Demain matin. Oui, ça va. Ah, ok, je le ferai. Elle est là. Merci pour l'appel. Bye. Qui est-ce? Oui, c'est mon amie. Mon amie de chambre Thelma. Celle qui t'avait appelé la fois passée. Elle est gentille. J'aimerais le voir un jour. Elle paraît être une bonne fille. Oui, oui.
Elle est vraiment comme une grande sœur pour moi. Mmh. Elle me fortifie dans chaque situation. Mmh. Ça, c'est bien. Ça m'a rappelé quand j'étais à l'université. Quand je faisais la médecine. Nous étions vraiment de bons amis. Il était comme un parapluie pour moi. Il me défendait dans toutes les situations. Il était comme un frère pour moi. Je le considérais. Maman, attends. Ton meilleur ami était un homme? Oui, c'était un homme. Il était aussi étudiant en médecine. Et il était d'une famille riche. Et alors, qu'est-ce qui était arrivé? Est-ce la raison pour laquelle tu hais les hommes? Je ne hais pas les hommes. Je n'ai pas confiance en eux quand ils sont avec des femmes qui sont vulnérables. Je ne comprends pas. Maman, dis-moi, hein? Je peux apprendre par ton expérience. Ok. C'est une longue histoire. J'ai encore ces images et ces souvenirs à moi. Je dois te les dire. Tu dois les savoir. Ça te concerne, bien sûr. Ok. Je t'écoute. Tout a commencé 3 semaines après la rentrée académique. Et c'est là où j'ai rencontré Charles. Bonjour. Salut. Je m'appelle Charles. Salut, c'est Emily. Ravi de te rencontrer. J'ai remarqué que tu viens souvent à la bibliothèque pour lire et c'est surprenant. Pourquoi? Tu sais, les belles femmes ne se donnent pas souvent à la lecture. Mon éducation vient avant tout. Peux-tu me laisser de reprendre ma lecture s'il te plaît? Bien sûr, ok, sans problème. Ok. Salut, Emily. Salut, c'est Charles? Ouais. Oh. Tu rentres à la maison? Oui, présentement, je rentre à la maison. Ok. Puisqu'il est tard, pourquoi ne me donnes-tu pas l'honneur de te ramener chez toi avec ma voiture? Oh, désolée, mais je ne trouve pas ça bien de me promener avec un corps professoral. Corps professoral? Oui. Je suis étudiant comme toi, juste que je suis ton aîné. Oh, vraiment? Oui, alors laisse-moi te déposer à la maison. J'insiste. D'accord? Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accompagner. Tiens donc, c'est rien du tout. Je voulais juste savoir où tu habites pour que je vienne à tout moment te jeter des fleurs. J'aurais bien voulu que tu viennes, mais dans la chambre. Mes collègues de chambre sont folles parfois. Ah, c'est pas grave. La plupart des collègues de chambre sont folles. Je te trouve vraiment comme une fille réservée et je ne sais pas si ça te dérangerait. Pouvons-nous être amis? Ça ne dérange pas. Bien. Merci encore. Ok. Ok. Bye. Et numéro de la chambre? La chambre numéro 7. Bien reçu. Je viendrai te voir demain. Bonjour, Emily. Es-tu surprise de me voir? Oui, je suis surprise. Mais je t'avais dit hier que je viendrais te voir aujourd'hui. Ou est-ce que tu ne m'as pas pris au sérieux? Mes camarades de chambre dorment encore. On peut aller parler dehors. Très bien. Je suis venu avec mes amis. Ils sont dans la voiture. Oh, c'est vrai? Ouais. Ok. Juste un instant. Ok, je t'attends. C'est un GSM. Mon ami m'avait donné ça hier la nuit. Non, mais sérieusement, ce gars t'a donné ce téléphone? Oui, il m'a fait demander mon numéro. Je lui ai dit que j'ai pas de téléphone et il m'a donné ce téléphone. En plus, un téléphone de qualité.
Je me demande combien de fois t'as dû coucher avec pour qu'il t'offre un tel cadeau. Sans effet, Chica. Moi, je suis pas comme toi. On s'est rendu, pardon. Et voilà. Bien. Tiens. Merci. Tu restes seule? Ouais. C'est d'ailleurs réservé aux médecins. J'ai eu de la chance d'avoir cette chambre. Les autres sont logés au banc. Bien. Ça ne me surprend pas. Les gens gentils et généreux comme vous sont toujours chanceux. Pas une orpheline comme moi qui fait les études médicales juste par la grâce de Dieu. Une orpheline? Veux-tu m'en parler, s'il te plaît? Mes parents sont morts quand j'étais encore enfant. Il n'y avait personne pour me prendre en charge. C'est comme ça que je suis rendue dans l'orphelinat. Ça, c'est vraiment triste. Je suis désolée d'entendre. C'est bien. Dieu est toujours fidèle. Tu sais, quand j'étais en mission dans cette institution, mon église m'avait donné une bourse d'études. Et ils prennent en charge tous mes besoins. Que Dieu les bénisse. Amen. T'inquiète. À partir de maintenant, tu ne vas plus manquer ce qui est nécessaire pour toi en tant que femme. Quoi que tu fais, juste demande-le-moi. Merci. Mais... je peux te poser une question? Oui, bien sûr, vas-y. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Émilie, je ne m'attends à rien du tout de toi. Tu es mon amie. Et à partir de maintenant, ma petite soeur. Oh, merci, Dieu te bénisse. Que ses bontés et sa grâce soient en partage, monsieur. Amen. Et c'est tu as arrêté de m'appeler monsieur parce que mon nom est Charles. Oh, ok, monsieur. Oh. Ah, bon, non, mensonge. Ah, pourquoi tu veux nous mentir, non? Nous sommes assez grands, oh. Tu mens beaucoup, toi. Regarde-moi. Penses-tu que tu es vraiment en train de parler aux enfants? Hein? On te connaît très bien. Je peux confirmer avec toute mon énergie que tu as bouffé cette fille. Bam! Les gars, je suis sérieux. Je ne pouvais plus la toucher après avoir écouté cette histoire pathétique. Ok, non, relax. Tu veux nous dire, parce qu'elle t'a raconté qu'elle est orpheline, tu ne peux plus la toucher. Tu ne vas jamais la toucher. Que Dieu te punisse. Écoutez, Émilie est spéciale. Et j'aimerais la prendre pour ma petite soeur. Va là-bas. En fait, j'aimerais la prendre pour ma petite soeur, car je suis le fils unique de mes parents. Ok. Comme tu n'es pas prêt à la toucher, permets à quelqu'un d'autre de le faire, tu sais. Hey, écoutez, je ne veux voir personne d'entre vous près de cette fille. Sinon, je me chargerai personnellement de... Ah. Mec, pourquoi tu es habillé comme ça? Ah man, ne parle pas des habits ici, oh. Tu ne sais pas comment on m'a dérangé là-bas. Hein. Tu sais, je n'ai pas de choix. Sérieusement. Émilie, tu brilles comme une étoile ces temps-ci. Ça doit être une nouvelle robe, je l'avais jamais vue. Dis-moi, c'est quoi ton secret? T'as raison, Charles me l'a amené hier. Ah, ça commence à devenir sérieux, hein? Ton histoire là avec ton chéri Charles, ça commence à prendre jalouse. Mets-moi aussi en contact avec un de ses amis, comme ça je pense qu'il profite de l'élanger les musiques. Si tu vois quelqu'un de générosité en eux, tu es libre de m'en parler, mais par toi-même. Je ne sais pas de quelle générosité vous parlez, mais je veux aussi en avoir. Rien de grave, je disais juste à Émilie qu'elle nous présente aux amis de son petit ami pour qu'il nous bichette aussi, t'en penses pas? Chica, Charles n'est pas mon petit ami, il est comme mon grand frère. Mensonge, grand frère mon œil. Il peut pas acheter des choses aussi chères à une fille avec qui il ne sort tout de même pas. Ah, en tout cas, ça ne sert à rien de te convaincre, parce que tout ce qu'on te dit, tu le comprends vraiment de ta manière. Je pense que Chica a raison. Émilie, présente-toi à ses amis pour que nous aussi nous ayons le même style de vie. Je vais chez Charles maintenant pour étudier. Alors dès que je serai là-bas, je dirai à ses amis que vous êtes folle de... Ça va. À plus tard. Bonne soirée. Il faut bien étudier, oh. Étudier bien, oh. Qui t'enseigne surtout le chapitre sur la reproduction. Waouh. Amy, regarde tes amis comment... Elles sont si ouvertes avec mes amis comme si ils se connaissaient il y a longtemps.
La vérité, c'est que mes amis n'ont jamais eu honte. Elles ne tiennent même pas compte s'il y a des gens qui le regardent. Oh, Jumbo, tu es tellement beau. Je crois que je suis déjà amoureuse de toi. Hé, hey, regarde, tu n'as pas la moindre idée de comment je t'aime. Sais-tu pourquoi je t'aime, Brigitte? Non, je ne sais pas, dis-moi. Tes lèvres sont trop sexy. Et t'as un joli sourire. Oh, tu es encore en train de me flatter. Regarde, moi je suis tombé amoureux de toi avant même de te voir. Comment oui. Est-ce possible? C'est très très possible, oh. Tu sais, je n'arrive même pas à te décrire. Tu sais, tu es comme... Tu es vraiment, je ne sais pas comment... La façon dont je te vois là, tu es trop sexy. Oh. Ah, mes lèvres n'ont rien de si spécial, tu sais. Ta beauté est une lumière qui peut éclairer tout cet endroit. Je savais que tu étais médecin, mais pas poète. Pour toi, tout ce que tu voudras que je sois, je le serai. Ok. Je veux que tu sois mon... chevalier. Servant, voilà. Oui, ma chérie. Je ferai ce que tu voudras. Regarde, tes amis sont vraiment intéressants. Je sais. Laisse-moi profiter de ce que tu as. Amy, tiens donc. Ces livres sont vraiment avancés par rapport à toi. Bien, j'admire ton enthousiasme quand tu as. Merci. On ne peut pas considérer la connaissance au même niveau que les études. Ça doit être basé sur l'intelligence individuelle. Non mais écoute, la gynécologie et obstétrique sont des branches hautement spécialisées de médecine. Et tu en es juste à ta première année. Écoute, je suggère que pour le moment, tu te concentres sur les fondamentaux. Ok, ok. Alors à ton avis, à quel niveau quelqu'un peut être qualifié à étudier ça? Je pense que quand tu auras passé ta première année de doctorat et ta deuxième année, tu pourras en faire un grand business. Mais ça va faire beaucoup de temps. Il faut d'abord avoir la licence et puis aller faire ça après. Je ne sais, mais t'en fais pas. Je serai toujours à tes côtés pour toi. Ok, merci. Qui est là? Qui est-ce? Anne, c'est moi, Jenny. Anne, fais vite, chaud. Man, regarde, qu'est-ce que je suis désolé pour ça? Je suis désolé, vraiment désolé. Tu vois ma petite là, c'est une sorcière, elle veut me tuer. Tu parles de Jenny? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Mon pote, cette fille-là est une machine. Regarde, mon corps chauffe. Écoute, j'ai une urgence maintenant. S'il te plaît, préservatif. Écoute, mec, ne cherche pas à te tuer. Préservatif. Ok, attends, j'arrive. Ok. Ça, c'est mon pote. C'était JB. Oui, je sais, j'ai entendu sa voix. Il est venu te demander les préservatifs pour coucher avec Chica, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, Emily. Tu vois ses livres. Et même si j'ai couché avec lui, est-ce qu'il est ton petit ami? Ça te concerne? Oh, désolé, je n'aurais pas dû dire un mot. C'est votre vie. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Oh oui, Dieu merci que tu en sois consciente. D'ailleurs, tu passes beaucoup de temps avec Charles et tu vas me dire qu'aucun de vous n'a tenté quoi que ce soit? Vous savez, chaque fois que je suis avec Charles, c'est pour aller à la bibliothèque et on étudie ensemble. Et d'ailleurs, je suis toujours vierge et je le garderai jusqu'au mariage. Encore vierge? Mère de Jésus! Une vierge quoi? Je vous salue, Marie. Attends, sois sérieuse. Si tu me disais n'importe quoi d'autre, je te croirais. Mais ça, je dis non. Je me demande si Charles est un puissant au point de passer toutes ces heures avec elle sans que rien ne se passe. Peu importe, tu peux répondre. La vierge. Les gars. Ah, les gars, vous n'allez pas me croire. Hey, j'ai toujours dit que je suis fort, mais cette fois-ci, ça n'a pas aidé. Vous voyez cet homme, Chica? Cet homme, c'est une machine. Hey, cet homme n'est jamais satisfait, donc. Elle m'a tourné. J'ai dit non, bébé, relax. Elle n'a pas voulu. J'ai dit non, bébé, s'il te plaît. Elle n'a pas voulu. J'ai dit,
Bébé, non, relax, je vais mourir. Elle m'a dit non, tu ne mourras pas ici. Cette femme, c'est une machine. Elle a voulu m'enfermer dans la chambre hier la nuit. Mais je t'ai dit. Vous savez, Brigitte est plutôt du genre. Elle crie trop. Oui, elle crie trop. Elle simule beaucoup. Hein. Écoutez, maintenant, là, on est en train de partager l'expérience de notre vie. C'est au tour de notre full boss. Président, s'il te plaît, ta femme est Emily. Comment est-elle? Comment suis-je censé le savoir? Je ne couche pas avec elle. Emily. Emily est une fille décente. Elle n'est pas comme ses camarades que vous avez ici. Vous serez peut-être intéressé de savoir qu'elle est toujours vierge. Hein? Vierge? Vous êtes une fille. Oh oui! Écoutez, laissez-moi vous dire. Emily est tellement concentrée dans son ambition de devenir médecin. Tout ce dont elle pense, c'est d'acquérir la connaissance, pas le sexe. Je n'ai même pas le temps à vous expliquer. Il ne s'agit pas d'apprendre. Oh, full boss, tu vas où? On se voit plus tard. Ah, ça c'est pas notre ami. Emily, c'est quoi le problème avec toi? Tu as l'air si triste. Je suis juste fatiguée. J'ai le mal de tête. Laisse-moi voir. Oh, il te faut vraiment du repos. Tu dois te reposer. Laisse-moi te raccompagner. Tu dois te reposer. Est-ce que je saurais même me reposer là où il y a mes amis qui sont trop bavardes? Des fois, je souhaite avoir une chambre comme la tienne. J'ai une idée. Dans ce cas, on part chez moi où personne ne pourra te déranger. Allons-y, Emily. Dépêche-toi. Emily, prends ça. Ça va te soulager et t'aider à te reposer. Ça paraît comme le comprimé anesthétique. Oh, tu donnes l'impression de tout connaître. Mais à ce que je sache, je suis le mieux qualifié à être médecin ici. Alors prends le médicament. Oui, docteur. Bien. 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 Très bien. Maintenant, tu peux te détendre et dormir. S'il te plaît, réveille-moi avant qu'il ne soit tard, ok? Pas de problème. Ah, tu ne sais pas que garder une jolie fille comme ton amie, c'est comme garder un poulet pour un pari. Un jour, tu finiras par le bouffer. Seul un homme impuissant restera avec elle dans une chambre pendant plus de 10 minutes sans pour autant la toucher. Désolé. Émilie, je suis venue pour conquérir ton cœur.
Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Juste dis-le moi. Charles, je ne veux plus rien venant de toi. S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Émilie, s'il te plaît. Émilie. Émilie, je t'en prie. Rappelle-toi que haïr est humain et pardonner est divin. Qui est-ce? Charles, on doit discuter. Et quel est le problème? Il y a un grand problème. Ça, c'est le résultat du test que j'ai fait. Et 6 semaines. Oh mon Dieu, mais... Quoi? Oh mon Dieu. Qu'allons-nous faire maintenant? Ah, regarde, il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus. 6 semaines, n'est-ce pas? On peut s'en occuper même ici dans ma chambre. S'occuper de quoi? Mais de quoi tu parles? L'avortement, bien sûr. C'est aussi simple que ça. Sans effet. Je ne peux jamais faire un avortement. Émilie, est-ce que tu es devenue débile? Est-ce que ça va? Tu ne peux pas non plus mettre au monde. Je ne peux arrêter la vie d'un enfant innocent en naître. Je voulais juste venir t'en informer, te dire combien tu as détruit ma vie. Merci beaucoup. Écoute, Émilie. Émilie. Émilie, reviens ici et arrête d'être folle. Oh. Je savais seulement que tu étais une hypocrite quand tu prétendais être vierge. Et ça m'étonne pas, les hypocrites sont les pires. Chica, ça suffit. Émilie souffre beaucoup. Elle a besoin de notre aide et non pas qu'on l'insulte. Je te demande pardon, tu dis que je l'insulte. Tu étais où toi quand elle me traitait de salope? Alors c'est qui la salope maintenant? Ce n'est pas de ta faute, Chica, ce n'est pas du tout de ta faute. Fais pas attention. Tu peux dire tout ce que tu veux, seul Dieu sait que ce n'est pas de ma faute. Oh, c'est de ma faute, n'est-ce pas? C'est de ma faute, parce que je suis celle qui prenait mon pied avec lui. Chica, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Ah, laisse-moi. Tu ne fais que l'énerver. On devrait plutôt réfléchir pour trouver une solution ensemble. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Je rejette cela. Je le rejette vraiment. Ça ne peut pas m'arriver parce que je ne suis pas une hypocrite. Et je ne peux pas avoir une grossesse non désirée comme la Vierge Émilie. Un peu de retenue, s'il te plaît. Je l'écoute. Ça va aller, ma chère. Ça va aller, ma chère. Et après beaucoup de temps, Charles était devenu un docteur qualifié. Il m'avait abandonné complètement. J'ai fait des efforts de me relever pour supporter tout ça. Comment pouvait-il être très méchant après tout ce qu'il t'avait fait? Cet homme devait être puni. Et j'ai réalisé que j'étais tombée enceinte. Et quand je l'ai réalisé, ma bourse a été arrêtée. Et j'avais arrêté les études. Mais ce n'était pas de ta faute. Tu devais lui dire ce qui était arrivé. Tout est dans le passé maintenant. Ce n'était pas facile. J'ai souffert de prendre soin de ma grossesse. Tout ce que j'ai retenu de bon dans ces souvenirs, c'est que j'ai rencontré une vieille mère qui était gentille, qui m'a emmenée dans ce village. Elle m'a hébergée et elle a pris soin de moi. Et après, j'étais accouchée. Malheureusement, elle était morte des ans après. Elle m'avait laissé sa maison. Je suis désolée, maman. Je ne savais pas que tu avais tant souffert ainsi pour moi. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Arrête de pleurer. Et mon rêve était de devenir un médecin. Et vu toutes ces circonstances, je suis passée à côté. Et mon désir le plus ardent, c'est que tu accomplis ces rêves. Oui, maman. Ça, c'est sérieux, Nina. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ta maman, ta pauvre maman, elle aura le cœur brisé. Ah. Je ne peux pas parler à maman à propos de ma grossesse.
Je ne peux pas du tout oser. Je ne veux pas qu'elle se sente mal. Je dois quitter le village au plus tôt possible avant qu'elle ne puisse découvrir cette grossesse. Il faut que tu ailles voir le professeur Lucas vraiment immédiatement. Il te cherchait désespérément la dernière fois. Il veut que je puisse avorter. Mais moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Ma mère ne l'avait pas fait lors de ma grossesse. Alors, pourquoi moi je dois le faire pour mon enfant? Nena, j'espère que tu sais ce que tu fais. Si tu savais ce que j'ai enduré ces 3 jours passés, si tu savais par quoi je suis passée parce que je suis désespérée de porter ton enfant, tu ne serais pas debout ici à me réprimander. As-tu fini? Puis-je maintenant m'en aller? Monsieur, tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici, tu as commencé, tu termines. Je n'ai plus rien à discuter avec toi. J'ai déjà donné mon point de vue et c'est tout. Il faut t'en occuper parce que c'est ton problème. C'est mon problème? Oui. Vraiment? C'est donc mon problème si je n'ai pas réussi à me mettre enceinte toute seule. Durant ces 10 années et demie, 10 plus 5 plus 2, 17 années que je n'ai pas réussi à me mettre enceinte et tu te tiens là à me réprimander? C'est assez, c'est bêtise que tu dis. Arrête d'avancer que je ne suis pas un homme. Je suis vraiment un homme. Écoute attentivement. C'était devant toi que j'ai été médicalement testé et confirmé être capable d'être un père. Et je sais que je suis un homme complet. Et je te rappelle que tout comme moi, les tests ont certifié que je peux te donner des enfants. Est-ce que ça t'est arrivé de réfléchir et te dire que cette histoire de stérilité est d'origine spirituelle? As-tu déjà pensé que ça peut être une malédiction? T'es en train de me fixer. Tu ferais mieux de t'asseoir et de commencer à réfléchir. Une malédiction? Non, ceci n'est pas possible. Je ne crois pas à ces superstitions. Mais quoi si c'est vrai? Je n'ai jamais été capable d'enceinter aucune femme, malgré mes essais désespérés sur ces jeunes filles. Et quoi cette fille Nena qui dit que je suis responsable de sa grossesse? Je sais qu'elle n'a jamais couché avec aucun autre homme, sauf moi. Ceci m'est vraiment confus. Qui est là? Entrez, entrez. Nena, qu'est-ce qu'elle fait ici avec toi? Je l'ai emmenée pour qu'elle soit témoin de ce que je vais vous dire maintenant. Oh, allez, Nena. Toi et moi n'avons pas besoin de dire dans les questions qui nous concernent. Mademoiselle Thelma Ogoni, peux-tu s'il te plaît nous excuser? Je n'irai nulle part, professeur. Nena et moi sommes venus vous parler et nous allons le faire ensemble. Exactement. Thelma est au courant de tout. Et je sais aussi que tu voulais lui faire ce que tu as eu à me faire l'autre fois. Alors, monsieur le professeur, qu'avez-vous pensé concernant mon cas? Je vois que nous avons atteint le paroxysme. D'accord, jeune fille. S'il vous plaît, asseyez-vous et parlons comme des adultes matures. Nena, je ne sais toujours pas comment tu veux gérer ça. Je ne sais pas. Ce jeu auquel tu joues est dangereux. Je connais cet homme. Tu verras. Thelma, on n'a rien d'autre à faire pour l'instant. Ça ne dépendait que de moi. Je ne peux pas désirer l'avortement. Mais tu connais ta maman. Tu sais qu'elle ne sera jamais d'accord. Tu la connais, non? Elle ne sera pas d'accord avec ça, tu le sais. Je sais que ma mère sera totalement déçue. Mais on n'a pas d'autre choix pour l'instant. Elle doit
juste accepter la situation comme elle était présente. J'espère juste que ça finira bien. Je jure. J'espère que ça finira. Nina, c'est ça que le prof Lucas t'a trouvé? J'avoue que cet endroit est vraiment joli et moderne. Merci. Tu sais quoi? Il m'a dit, il veut que je parte en Amérique. Hein? Tu vas aller en Amérique? Fais-moi la nourrice du bébé. Laisse-moi changer ses couches. Laisse-moi lui donner le biberon. N'importe quoi. Je peux juste être avec toi. Là, ce n'est pas un problème. Je le ferai. Sois calme. Je suis partante. Hey, mon Dieu. Mais votre accord, là, ça tourne même mieux que ce qu'on vous fait penser. Genre, je suis même surprise qu'il s'intéresse vraiment au bébé en ce moment. As-tu oublié ce qu'il nous avait parlé la fois passée concernant sa femme? Et donc toi tu préfères porter le bébé en secret et une fois qu'il sera né tu vas remettre à la famille et il te donnera en échange de l'argent, c'est ça le truc, c'est ça l'affaire, n'est-ce pas? Peut-être. De toutes les façons, félicitations. Merci. Pensons à l'Amérique. Thelma, j'essaye. Tu le sais bien. Tu m'as vraiment oublié. Ok, j'ai entendu. Alors dis-moi, comment va ta nouvelle voisine? Elle te cause des problèmes? Comment les campus? Comment évoluent les études? Comment va tout le monde, au fait? Oh oui, 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 il va bien. Il ne rentre que le soir. Écoute, oublie d'abord ce que tu viens de dire. Laisse-moi te dire. Tu sais quoi? Ok. J'ai déjà eu mon visa. Et je pars en Amérique la semaine prochaine. C'est donc toi la sale gamine qui essaie de me piquer mon mari? Allô, Nena? Nena, est-ce que tu m'entends? Allô, Nena? Nena, qui est là en ce moment avec toi? Nena, qui est là? Je vous en prie. En plus, tu es même enceinte. Je vois. Donc, c'est de ça dont tu te sers pour le tenir en laisse? Attendez. De quoi êtes-vous en train de parler? D'ailleurs, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Tu fermes ta bouche. Est-ce que ce n'est pas toi la maîtresse du prof Lucas? Eh bien, figure-toi que moi, je suis son épouse légitime. Non mais tu vas me donner ce téléphone et fermer ton clapet, hein? Allô? Allô? Et mon Dieu, et Seigneur, Seigneur, j'aurais prévenu cette fille, je l'aurais prévenu. Je l'aurais prévenu, mon Dieu, non, je l'aurais prévenu. Oh, cette fille, mon Dieu, je l'aurais prévenu. Dieu du ciel. Allô, oui, professeur Lucas. C'est Thelma. Il y a un problème. Nana! Nana! J'espère qu'ils ne lui ont rien fait. Si quelque chose arrive à cette fille, je vais tuer. Chérie! Chérie! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Thank you.
Cindy! Cindy! Viens ici, Cindy! Je sais que tu es à l'intérieur. Viens ici avant que je vienne te rencontrer. Oh, chérie! Oh, mon amour! Bonne arrivée! Oh, mais pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas content de me voir? Ne me bébé pas toi, Jezabel! Qu'est-ce que tu allais faire à cette fille innocente? Oh, cette voleuse de mari. À vrai dire, je ne lui ai rien fait. Au fait, je n'ai fait que lui donner un avertissement mémorable, de sorte qu'elle puisse plus s'approcher d'un millimètre de mon mari, ou sinon, elle va voir. N'as-tu pas vu qu'elle est enceinte? Et qui se soucie du bâtard qu'elle porte? Est-ce que c'est avec ça qu'elle te fait du chantage? Laisse-moi te dire. Elle est enceinte pour moi. Elle porte mes enfants, mes deux garçons. Puisque tu es incapable de me donner un enfant, alors j'ai décidé de sortir avec une autre personne. Professeur Lucas, ça c'est la plus grande blague du millénium. Mon chéri, ouvre les yeux. Toi et moi, on sait très bien que tu as toujours été stérile. Peu importe. Remercie ton Dieu que tu n'as blessé ni elle ni les bébés. Sinon, quoi? Tu aurais vu de quel bois je me chauffe. Quoi? Qu'est-ce que tu pourras faire? Je te défie de lever ne fût-ce que ton petit doigt, de sorte même qu'il me frôle un peu. C'est là que je t'enseignerai une leçon que tu ne pourras jamais oublier. Je vais te rappeler que moi, je ne suis pas cette petite naïve Cindy avec qui tu me trompais. Bien, peu importe. Laisse-moi te dire, reste à l'écart d'elle. Qu'aucun malheur n'arrive ni à elle ni à mes bébés garçons. Et dis à ton amie comédienne là, que tu appelles Pamela, de ne plus jamais montrer son vilain visage ici, dans ma propre maison ici. Je te préviens pour la dernière fois. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, Lucas. Va jusqu'au bout. Après avoir ruiné ma vie, Dieu va te juger. Alors, selon le scan et les autres tests que tu as fait hier, toi et les bébés, vous êtes aptes à voyager maintenant. Je préfère aller voir ma mère avant de voyager. Il y a longtemps que je l'ai vue. Alors je vais lui demander pardon et elle va prier pour moi pour que Dieu me garde. Oh, ça va, c'est bon. J'irai même avec toi. Dis-moi, c'est pour la voir et lui assurer que tu es en sécurité. Ça sera une bonne chose. Ma mère sera au courant que... très bientôt, elle sera grand-mère. Et mon rêve de devenir médecin n'est pas encore perdu. Bien sûr, ce n'est pas perdu. Franchement, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux la voir. Et lui donner cette assurance. Et formellement demander son consentement pour t'épouser dès que tu reviennes des USA avec les jumeaux. Prof, êtes-vous sérieux? Lena, je suis maintenant plus sérieux dans ma vie. Écoute, je t'aime. Le premier jour que je t'ai vu, quelque chose que je ne peux pas expliquer s'est produit en moi. Oh, c'est tellement beau. Oh, je suis tellement contente pour vous. Émilie, mon amour. Hein? Émilie, mon amante. Ma bien-aimée, Émilie. Hein? Ma douce chérie, Émilie, je ne sais pas pourquoi tu nous prives de ceci. Hein? Hein? Nous en avons tous deux besoin. En ce moment où nous restons encore très actifs. Hein? Tu joues trop la sainte. Ozoma, j'étais averti. J'étais averti que je ne suis pas d'humeur aujourd'hui pour te dire. Qu'est-ce qui te dérange? Hein? Quel qu'en soit ce qui te dérange ou quel que soit le problème.
Permets-moi juste de poser ma main sur ta poitrine. Ozoma, si tu me touches, je vais casser ta tête. Oh. 7 minutes même. Si tu me touches encore, je vais casser ta tête. 7 minutes. Ne t'inquiète pas. Touche-moi encore, je casserai ta tête. Ozoma, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui, je te l'ai dit. Tu as besoin de moi. Hein? Hein? Nana. Maman. Docteur. Qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, c'est bon. Vas-y. Maman. Maman, je suis désolée. C'était une erreur. Une erreur? Une erreur? Suis-je en train de rêver ou quoi? Ozoma, tiens-moi la main. Incroyable. Ozoma, je ne sais plus vivant. Suis-je en train de rêver? Incroyable. Maintenant, tu me demandes, je suis confus. Hein. Je ne sais même pas là où te tenir, le haut ou le bas. Bon après-midi, maman. Qui es-tu? Mon nom est Elma. Je suis l'amie de Nena et sa colocataire au campus. Maman, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, tout est sous contrôle. Je vous en prie. Et ça ne va pas coûter les yeux de la tête. Ça ne coûtera pas les yeux de la tête. Je vois mon bébé porter un bébé et tu me dis que ça ne coûtera pas les yeux de la tête. Désolée. Emily. Charles. Emily. Suis-je hallucinée? Ça c'est vrai? Maman, je pense que tu commets une erreur. Son nom est professeur Lucas et non Charles. Nena, où est-ce que tu as trouvé cet homme? Nena, c'est cette femme qui est ta mère? Oui, c'était ma mère. Pourquoi? Attendez, vous vous connaissez déjà? Vous vous êtes déjà rencontrés? Oh, professeur Lucas! Maintenant, je reconnais que tu es réellement maudit. Ça, c'est le père Charles Lucas. C'est lui l'homme qui a ruiné ma vie. C'est lui l'homme qui m'avait engrossé et qui nous avait abandonnés toutes les deux. C'est lui ton père. Quoi?